Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 5 mai, pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'avril et le bilan donc du mois. Donc ça va, il y a des économies, on va pas se plaindre. Le mois de mai s'annonce un peu compliqué. On verra comment ça va se passer, s'il y aura un remplissage ou pas, en toute honnêteté. Comme je vous ai dit, je me suis trompée dans mes calculs, donc il faut qu'on donne un peu plus que prévu pour solder nos billets. Donc une fois que ce sera soldé, je vais voir ce qui reste. Et on verra, sachant que mon imprimante m'a lâché, ça je vous l'avais dit, l'imprimante que monsieur m'a dépannée m'a lâché, donc je vais devoir acheter une imprimante en code speed pour pouvoir finir les commandes qui sont passées là dernièrement et vous présenter les petites nouveautés, car oui, j'aimerais dans l'idéal vous présenter une voire deux nouveautés dans le mois. Donc voilà, j'essaie de vous répondre à la demande sur les thèmes princesses, mais c'est un petit peu compliqué pour moi. Puisque vous savez que l'unité budgéteuse, elle fait beaucoup le thème des princesses et il faut pas que je fasse quelque chose qu'elle a déjà créé. Donc je suis un peu en train de regarder ces petites créations pour être sûre de pas faire quelque chose qu'elle a déjà fait. Donc voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais voilà, si j'ai pas trop d'idées, voilà, on verra quand une idée me viendra. Là, j'ai un thème princesse, si on veut, qui fait partie des nouveautés du mois de mai, que je vous présenterai dès que j'aurai enfin reçu ma commande de chez Shein, qui traîne la patte, mais parce que j'ai oublié que mai c'est férié, en fait il y a des jours fériés. Normalement j'aurais dû la recevoir avant mai, donc bref, elle viendra quand elle viendra, n'est-ce pas? En attendant, je me contente de commander sur Amazon en urgence des stickers à gratter, etc. Donc voilà pour ça. Ah oui, au niveau de la boutique aussi, j'ai eu beaucoup de messages en me disant que les frais Mondial Relais sont assez chers, et ça je peux le comprendre, mais j'ai eu pas mal de petits couacs avec la poste sur la boutique, donc c'est pour ça que j'étais passée avec Mondial Relais. Mais bébé se réveille, excusez-moi, je coupe deux minutes. Revoilà, donc je vous disais, sur la boutique je suis repassée avec la poste, puisque en fait je prenais des commandes sur Insta et je m'embrouillais un petit peu, j'avais peur d'oublier les commandes passées avec Instagram. Donc pour satisfaire tout le monde, je suis repassée par la poste. Donc j'espère que ça va mieux se passer. On verra bien. Vous me direz. Bon, là après avec les jours fériés, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que des fois je m'excitais toute seule avec moi-même sur les livraisons. Mais en fait non, c'est les jours fériés, j'ai juste oublié ça. Donc voilà. Voilà pour les petites informations. Les cartes à gratter, il y aura du réassort. Mais d'abord, je règle mon petit retard quand même sur Etsy à envoyer les commandes, puisqu'en plus il y a d'autres commandes qui sont arrivées et j'ai pas envie de me mettre en retard sur les nouvelles commandes qui sont greffées. Et il y aura donc du réassort, vous inquiétez pas, mais voilà, pour l'instant je traite tout ça et j'ai envie de me créer un vrai stock à la maison et ne pas genre imprimer à la commande. Enfin, à la base j'avais genre 2-3 commandes de prêtes et j'ai imprimé un peu à la demande en fonction de ce qui était commandé, sauf que en fait vous m'avez bombardé et je vous en remercie beaucoup, et mes bébés en fait me laisse pas trop travailler en ce moment. Je pense qu'en fait je me suis tellement stressée qu'elle a ressenti ça et c'est devenu une sangsue. Elle ne me lâche pas. Là je me donne tous les jours un timing, c'est-à-dire que je bosse jusqu'à 1h du matin et après je vais me coucher parce que je fais n'importe quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des feuilles que j'avais coupées de travers, il manquait la moitié du tracker, c'était coupé tordu, donc je devais réimprimer. Enfin bref, je me faisais plus de boulot qu'autre chose et donc c'est pour ça que je me donne jusqu'à 1h du matin et après je vais dodo. Voilà pour ça. Et aussi, vous ferez attention, genre tout ce que les trackers style le Color Challenge, le tracker pour l'épargne maison, Ramadan, il y a quoi? Ramadan, maison, pour l'épargne mariage. En fait, tous les trackers que je vous proposais, genre perforés, non perforés, là, pour me créer du stock et pour répondre plus facilement à la demande, ils seront tous maintenant non perforés. Voilà, ce sera tous non perforés que vous pourrez glisser dans une enveloppe zip. Et puis voilà, parce que j'ai une perforatrice, mais j'aurai un trou. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et comme je vous dis, bébé ne me laisse absolument pas une minute de répit. Et comme ça, en fait, je peux me créer un stock et répondre facilement à la demande. Par la suite, j'investirai sur une perforatrice à 6 trous directement. Et je pourrai donc de nouveau vous proposer des trackers donc perforés. Mais pour l'instant, à partir donc de maintenant, hein, quand vous irez sur la boutique, lisez bien, tout est non perforé. Tout sera en mode à glisser dans une enveloppe zip. Donc il y a des commandes qui sont déjà passées, comme sur le Color Challenge, les 4 saisons. C'est passé, il n'y avait pas la modification, donc j'ai pris le temps de les perforer, je les ai perforés et c'est tout prêt comme ça. Mais pour les nouvelles commandes qui arriveront donc à partir de là maintenant, que vous passerez maintenant, ce seront des supports non perforés.
Voilà pour ça. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, et puis les petits défis que je vous propose comme ça en partage gratuit, c'est bon gratuit, hein. Et si vous n'avez pas le matériel ou vous n'avez pas le temps, ça ne me dérange pas de vous les faire. Je vous demande juste les frais de livraison. C'est tout ce que je vous demande parce que moi je les partage, donc je ne vais pas vous les faire payer. Parce que beaucoup me demandent combien coûtent les défis. C'est gratuit. C'est juste que si je les fais moi et je vous les envoie, juste les frais de livraison. Et comprenez qu'il y aura un petit peu d'attente puisque du coup je règle d'abord en priorité les commandes passées sur la boutique. Voilà. Note que je voulais faire. Sinon, ça fait un petit moment que je parle. Donc on arrête de parler et on passe au bilan. Qui ça va, je suis plutôt contente. Mais comme je ne sors pas beaucoup. Ah oui, je suis partie en plus à l'imprimerie. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, l'imprimante me lâche. Je vais aller à l'imprimerie, je vais imprimer en gros, comme ça je suis tranquille, je me crée mon stock en même temps. Et ils m'ont demandé 100 euros pour imprimer 150 pages ou un truc comme ça. Je dis, mais c'est sérieux quoi. Donc j'ai fait marche arrière et l'imprimante m'a lâché. Et lundi, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on court trouver une imprimante vite, vite, vite. Bref, en course, il nous reste sur 80 euros un billet de 20, un billet de 5, ça c'est cool. Et il me reste des pièces. Les pièces. J'en ai un paquet, donc ça va. Franchement, tellement que j'étais en retard sur la boutique, j'ai fait les courses au compte-gouttes. Mais genre, c'était des trucs rapides, c'est de la purée, des pâtes, des frites, pour pas qu'elles mangent pas. Donc, c'est pas des réelles courses que j'ai fait, c'est pour ça que il me reste pas mal de choses. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,80. Donc, mon cerveau est mort. 8,80 plus 25, ça nous fait 33,80 € d'économie en alimentation, ce qui est plutôt pas mal. Je suis contente. Pour les filles, sur les 20 euros, ben, j'ai sauvé 5 euros. Hop, en hygiène, les 10 euros. Je vous avoue, l'essuie-tout est passé avec les courses. Si on peut éviter de casser un billet, j'évite. Voilà, vous aurez remarqué, j'ai toujours mon vieux porte-monnaie. J'ai pas le temps de faire mes enveloppes. Divers, je les enlève, j'en ai pas eu besoin. Je vous avoue, les feuilles à plastifier, je les ai pas payées, on me les a payées. Loisirs, donc j'ai pris les 10 euros qui restaient du défi Ramadan. Il me reste 5 euros et les fameux 10 euros donc de loisirs. Et donc là, c'est les 5 euros des 10 euros du défi Ramadan. Donc sur les 50 euros, il nous reste 5 euros. Ce qui est plutôt pas mal. Pharmacie, ben, j'ai dû prendre. On m'a sauvé jusqu'à la fin. Que voulez-vous? Mes filles ne savent pas marcher. Elles font que tomber. Donc j'ai fait un petit stock d'arnica, de pansements, des trucs comme ça. Et en même temps, je commence aussi un petit peu à acheter pour faire ma trousse de secours pour les vacances. Qui, c'est le mois prochain, je suis trop contente. Donc il nous reste en pharmacie 1,30 €, 60. Et j'ai rien noté depuis tout à l'heure. Donc plus, on va mettre la monnaie, 1,60 €. Et après, on comptera les billets. Donc pharmacie, voilà. Et resto, par contre, j'ai pu sauver, pardon, les 20 euros. Voilà. Hop. Ah oui, mais sachant que dans l'enveloppe bébé, il y a 5 euros qui sont partis dans le défi flash. Donc ça va, c'est cool. Ça y est, on ferme. Donc, alors. Il y a 25 euros. Donc, ce qu'on va faire, je vais enlever donc 25 de l'alimentation qui ont déjà été comptés. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, plus 60. Donc, on a une économie cette semaine, donc pour le mois, enfin, non, cette semaine, pardon, de 95 euros et 40 centimes. C'est juste topissime. Je suis hyper contente. On vérifie quand même que je ne dis pas de bêtises. Donc, 2, 4. 5, 6, 7, 8, 80, 85. Donc on recommence. Donc 85 plus. Hop. Alors plus. Autant d'en rapprocher ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, donc plus 10,
plus 40, c'est ça. On est bien à 95,40 € d'économie, ce qui est juste génial. Voilà pour ça. Donc, on va essayer de bien faire le truc. On va passer directement au défi. Alors, le défi pour la Umra, je verrai si je peux mettre 10 €, mais pour l'instant, j'ai décidé de le mettre de côté. Et si besoin, je rattraperai tout mon retard en retour de vacances. Parce que là, le mois de mai, ça va être un peu compliqué. C'est pas sûr que je vais remplir. On va dépendre que du budget de monsieur. Ou alors, j'aurai un très petit remplissage pour avoir quelque chose dans le porte-monnaie. J'aime pas rester sans argent dans le porte-monnaie. Du coup, on verra comment ça va se passer. Pour le mois de mai. Donc, je préfère avancer un peu dans les autres défis et je rattraperai donc les autres. Tac. Alors, juste avant de faire tous les défis long terme ici, on va se mettre les 10 € du week-end au poly. Si vous vous souvenez, je devais mettre. Attendez, j'ai toujours pas fait le sèche-cheveux. Hein. Je suis une. Hop. En ce moment, là, moi, j'ai toujours pas fait mes nouveaux trackers épargne. Ouh, je suis en retard sur tout moi maintenant. Donc je me suis fait la monnaie. Challenge 12 mois. En avril, il faut mettre 10 €. Donc on va les mettre. Et voilà, pour pas que j'oublie. Donc là, c'est la fin du mois. On remplit les trackers. Donc elle va sûrement être longue cette vidéo. Voilà. Donc déjà, moins 10. Et ce qui fait donc en avril, on a mis 10 €. Donc plus 10 €. Avril, et on est donc à 55 € officiellement, mais officieusement, il manque des sous-sous. Voilà, là j'ai combien? J'ai 35. Il nous manque 20 €. Donc là, ce défi-là, on est à 55 €. C'est ça, hein? 10, 30, 45, 55. C'est ça. Voilà. Les jours fériés, on verra si je peux mettre le 1er mai au moins. Monopoly, on verra pour la suite parce que j'ai des monnaies. Là, on va se mettre les 10 €, puisque vous savez, je tombais en prison. Donc, je devais mettre 30 €. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, en avril, on aura mis 48 €. Et mais c'est génial pour ce premier mois. Hop. On est donc à 48 € dans ce défi. Pour rappel, c'est un petit défi là qui vient de budget famille nombreuse. Et je me suis créé une petite enveloppe épargne qui est donc sortie en famille. Et ce petit défi ira dedans. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est un peu l'organisation. Enfin, c'est pas un peu, c'est l'organisation qu'a actuellement Aurélie des enveloppes dorées. C'est que quand elle fait le bilan, bah, dès qu'elle atteint, on va dire, minimum 10 €, elle met dans l'épargne. Sauf que bah, j'ai pas créé l'enveloppe. Du coup, ça va rester là. Et en fait, comme ça permet donc de. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 20. Je vais faire un peu de monnaie. Mais je laisse quand même un billet de 10 parce que je dois mettre 10. On est d'accord que je ne fasse pas la même boulette la dernière fois. Donc là, j'ai 3 €. 2, 3, 4. On est bon, on a bien nos 48 €. Donc là, techniquement parlant. Je devrais mettre 40 € dans mon épargne sortie, mais j'ai toujours pas fait mon tracker, donc ça reste là. Ensuite, donc le plateau de la beauté, c'est le tirage de dés. On verra, ça c'est un défi que j'ai découvert sur la chaîne. Il y a le nom de la chaîne juste ici, donc c'est Take With Budget. Voilà, donc c'est un défi astro que je vais pas attaquer tout de suite, hein, mais il me servira à remplir l'épargne cadeau pour la famille. Parce que du coup, au début, je voulais faire le défi astro que j'ai créé. Mais, comment dire, je me suis dit, si je fais le signe astro pour chaque membre de ma famille, je m'en sortirai pas. Sachant que pour le signe vierge, en veux-tu, en voilà, j'ai mes deux petites sœurs, j'ai mon papa, j'ai combien de neveux encore? Je crois en avoir deux déjà de tête. Donc, voilà.
Lui, c'est le bon compromis. Vous tirez 2 dés. En fonction du montant du dé, vous avez un signe astrologique à gratter. Et puis, bah, voilà. Hein. Comme ça me fera l'enveloppe cadeau pour la famille. Mais je ne vais pas attaquer tout de suite. Ici, si vous vous souvenez, j'avais le défi un tour à Constantine. Que pareil, j'ai enlevé parce que j'ai dit je veux vraiment le faire en retour de vacances. Donc, voilà. Là, on va se faire un petit défi pour la beauté. Hop. Là, techniquement parlant, je dois enlever les 10 euros et mettre dans votre beauté. Pour remplir sa fameuse épargne. Parce que comme je vous ai dit, en fait, si j'attends toujours de finir les trucs, moi, mes épargnes, elles ne bougent pas, en fait. Donc, on prend un petit dé. Moins 10. Bon, faut prendre l'habitude d'enlever ici. 6. Alors, on était ici au mascara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La trousse de toilette qui vaut 3 euros. Hop. Voilà. Et donc ça, c'est un petit défi qui est mis en vente par Céline de la chaîne Mes Économies et Défis. Voilà. On met les 3 euros quand même. Hop. Et comme je vous ai dit, c'est la fin du mois. Donc là, en avril, on a mis 10. On a mis 13. Ah, j'aurais dû me faire un tracker au dos. C'est pas grave. Donc là, on est à 13 euros pour ce défi. Hop. Donc, moins 3. Voilà. Ça ne ferme pas. Je verrai après. Donc ça, je ne le laissais pas tout de suite. La carte de blush, on l'avait complétée. Si je ne dis pas de bêtises, on l'avait complétée à 10 euros. Donc hop, je vais l'enlever. On va se mettre pour celle du mois de mai. Donc là, du coup, on est à 70 pour le mois. Enfin, pour l'année. Mais il nous manque un peu. Hein. 70 euros. Et ensuite, je vais venir mettre celle du mois de mai. Et donc, avril plus 10. Hop, c'est bon, vous voyez bien. Avril plus 10, on est donc à 60 euros dans l'enveloppe. Pareil, je ne sais pas du tout encore dans quelle épargne. Je pense que ça va être des épargnes en général à la fin de l'année. Parce que je ne me suis pas décidée. Les cartes, en fait, elles iraient où? Voilà. Pour... ouais, c'est là. Donc là, normalement, on a 70. Donc du coup, là, j'ai combien? J'ai 2, 3, j'ai 4. Donc il manque 30 euros. Hop. Je vais venir prendre ma petite boîte. Ça, on va le laisser de côté pour le challenge. J'en ai des cartes. Et elles sont où les cartes de blush? Elles sont là. Hop. On va mettre celle-là au fond. Et on prend celle du mois de mai qui est à 20 euros. Ça va être chaud. On verra. Comme je vous ai dit, le mois de mai, je ne sais pas comment va se passer le budget. Donc, on verra comment... Ça va se goupiller. Je suis deg en plus parce que c'est mon mois d'anniversaire et je vais avoir un mois ric-rac. Mais bon, c'est pas grave. On a décidé d'aller en vacances. On assume. Hop. Et toi, tu vas aller au fond. Donc, elle va être longue hein, pour pas changer. Là, il nous manquait 5. Hop. Alors, donc, on va effacer... aussi, et on va compter à combien on est par la suite. Avril, c'était une carte à 15, on est donc normalement à 115, non, 90 et 10, 100, 105, oui Linda, donc moins 5, c'est horrible comment je viens d'écrire. J'espère que je fais pas de boulettes.
Non, plus 15. Et on a donc 105 euros ici, mais je crois qu'ici j'ai enlevé 20 euros pareil. Donc je prends un billet de 5. Donc voilà la carte à 15 qu'on va mettre de côté. Et 2, 4, 6, 7, 75. Donc il manque 30 en fait. Il manque 30. Donc là, je vais dans ma boîte. Hop, elle va au fond. Et on prend la prochaine. Et j'espère, Linda, que tu es gentille sur cette somme. Donc on gratte. Ah, trop cool, 10 euros. Génial. Génial, génial, 10 euros. J'avoue, j'ai eu des sueurs froides. Hop. Donc je la mets au fond comme ceci. Là, pour le mois en cours, c'est un mois à 10 euros. Et on est donc à 105 euros ici. Donc voilà, je ne sais pas si donc, vous avez compris un peu mon tracker. Ici, je mets donc le mois en cours et en bas, j'ai la somme totale de mon défi. Et ben, je marque ici derrière pour rattraper mes bilans dans le budget planner hein, que je délaisse. Hein, vous l'aurez remarqué. Cinquième semaine pour l'instant, je reviendrai après, on verra. Défi pour les nuls. Là, la semaine, je crois que j'ai raté une semaine. Non, j'ai pas raté de semaine. En fait, j'ai juste pas marqué et j'ai mis par contre. J'ai pas marqué et j'ai mis. C'est un billet de 10. C'est-à-dire que c'était un montant libre. C'était montant libre. Et donc pour arrondir à 10, j'ai mis 2 euros. Voilà. Et là, donc j'effacerai, mais là, ça va être trop long, donc je le ferai vraiment hors caméra. Pour le mois de mai, là, c'est par rapport en fait à son artiste préféré, mettre la lettre qu'on aime bien en fait de l'artiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas vraiment d'artiste, donc je suis en train de chercher. J'ai vraiment un artiste mais que j'aime vraiment écouter à fond que voilà. Pour l'instant, j'ai pas. Donc, je suis en train de chercher encore si j'ai ou pas un artiste. C'est plus des styles voilà que j'écoute. Là, si voilà, alors c'est lié au départ en vacances et tout. Hein, je vais pas vous mentir. Là, en ce moment, je suis à fond sur les musiques mais arabes, chez oui, parce que bah, départ en Algérie, les mariages qui arrivent. Donc, si je fais le style, c'est le C, donc c'est 3 euros. Mais bon, je vais quand même être sûre que je fais pas d'MPR. J'espère que j'ai rien oublié là-dedans. On verra après. Si c'est le cas, vous me dites quoi. Donc là, on va passer ici. Il nous reste combien? 2, 3, 4. Je suis bête, il nous reste 67,40 €. Je suis pas réveillée. Ce que je vais faire, parce que du coup là c'est mort, je vais pas le finir. Je prends les 10 là. Hop, tant pis pour avril. Je vais les mettre dans le back to school parce que la rentrée c'est quand même plus important que voilà. Comme ça on est à 20 euros ici. Et je mets 10. Donc c'est quoi? Je vais mettre un billet de 20. Hop, comme ça j'ai fini. Celui de la rentrée scolaire. Je ne sais pas si je le finis, parce que je vais le faire deux fois en fait celui-ci. Si je le finis en deux fois, justement. Enfin, je ne vais pas remplir. Il est fini. J'efface tout et on commencera. Donc je ne sais pas si je mets directement dans l'enveloppe rentrée scolaire ou pas. Je verrai. Je verrai. Je pense que là, ce que je vais faire, je vais prendre quand même 5 minutes. Je vais faire mes petits trackers. À jour, donc pour les nouvelles épargnes, et je ferai une petite vidéo où on videra ensemble les défis, on mettra donc dans les épargnes, pardon, je vais y arriver, donc moins 10, on va se faire un petit tirage ici, alors 4, alors, donc on s'est arrêté à 1,50 €, alors, 1, 2, 3, 4, 50 centimes. Donc on est à 18 euros pour ce défi. On le termine, ce petit défi. Moi, je pense que je vous ferai une petite vidéo à part
où on vide les défis que je mettrai donc dans les épargnes. Je vais juste en fait prendre le temps de faire mes trackers épargne. 18. Je pense que je vais arrondir avant. Je triche. Je me mets un petit bonus. Hop. Voilà. Hop là. Ici, on vient se mettre 10 euros. Et on est donc à 30 euros dans le challenge. Trimestre de Blush Budget. Donc là, on a dit qu'on allait mettre au moins 1,50. On n'a pas mis 10. Voilà. Et avril, on a mis 30 euros. Et on est donc à 130 euros dans ce défi. Les 100 euros sont déjà dans l'enveloppe des vacances. Voilà. Voilà. On est déjà à 25 minutes presque, sachant qu'il y a le début là de l'intro. Printemps, on verra, il y a le temps pour finir celui-ci qui va à 40 euros et encore. Celui donc de chez Linda. On est à 25. Je vais mettre 5 encore. Et je vais prendre le petit oiseau qui est à 10. Voilà. Et ça fait qu'on est à 30. Hop. Et je prends donc le billet de 5 plutôt et je vais mettre le billet de 10. Bon, après, je garde espoir de mettre dans le défi 5 euros, mais ça va finir dans les autres défis, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, avril, on a mis 30 euros. Je suis chiante avec mon code couleur, hein, je suis désolée. Mais comme ça, c'est plus clair pour moi. Ça tape vite aux yeux de ce que tu as mis. Hop. Voilà. Puis avec la lumière là qui fait des reflets de ouf. Allez, on prend ta place. Je vais faire un sprint challenge, mais d'abord. Ah oui, les 3 euros qu'il y avait dans le défi un tour à Constantine, je les ai mis ici. Donc on a 40 euros et il faut peut-être que je me fasse de la monnaie. Là, j'ai trop envie. J'ai enfin fait la page de garde du défi de Pamela. Ça, c'est Pam hein, qui me l'a fait, qui me l'a envoyé. Donc, je trouve trop canon. Hop, je vais venir dessous ça. Mais j'ai trop envie d'essayer de faire un 1. Voilà. Donc, on va essayer. 6. Merci, au revoir. Donc. On va se gratter. Parce que la semaine dernière, je vous l'ai présenté et j'ai oublié de gratter. Faut que je lui mette un petit tracker. Et d'ailleurs, elle a fait sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'informations. Elle vous présente ce super défi avec un autre défi donc sur le thème Garden, trop mince aussi, et un défi qui tue, la femme chocolat. J'ai kiffé. Je vous mettrai donc son Instagram et sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, à vous abonner pour lui donner de la force. Moi, je suis trop trop contente que elle s'élance sur YouTube. Et franchement, ils sont trop 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 canons. Mais c'est véridique. D'ailleurs, je l'ai contacté pour avoir le défi femme chocolat. C'est pour vous dire. Donc, on gratte là pour info. Celui-là, ça va être pour le plaisir de vacances. Et dans sa vidéo, elle nous le dit hein, que les sommes ne dépassent pas 10 euros. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, on est à 5 euros. Trop bien. Hop. Je fais juste
Donc, je vous mettrai tout en barre d'informations. Elle les propose à la vente sur son Vinted, si je dis pas de bêtises. Et moi, je l'ai contactée sur Instagram. Donc voilà. Et pour être transparente avec vous, elle va me les offrir. Et je suis trop, trop, trop contente et trop fan de ses petites créations. Donc, j'ai hâte de recevoir son défi Femme Chocolat. Si vous êtes curieux, allez faire un tour sur sa chaîne. Elle vous le présente. Et j'ai hâte de le recevoir. Voilà. Donc là, on enlève encore 5 euros. Je crois qu'on n'est pas à jour, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va se faire un spring challenge. Parce que pareil, ça va dans les plaisirs de vacances pour cet été. Inch'Allah. Donc, combien de cartes à jouer? 5. Ouais, mais ça va taper. Attendez. Je me fais de la place bien. Non, tire bien, Linda. Bon, allez, 5. C'est tombé 2 fois sur le 5. Donc, 5. Alors. Là, j'ai toutes les cartes. Hop. Est-ce que j'ai les 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Pardon. On mélange. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a le cheval, le spring. Donc, je sais que le spring, il est à 5 euros. Alors. Donc, le spring, il est à 5 euros. Le cheval, c'est la somme de mon choix. Donc, on verra à la fin. Le lapin est à 1 euro. La bicyclette, la somme du dé. Donc, ça fait 5. Donc, là, on est à 11. Et le vase fleuri qui est à 2. Ça nous fait quoi? 11 et 2, 13. C'est ça, hein? Ouais, 13. Bah, du coup, je vais mettre 15. Avec le cheval, on arrondit à 15 euros. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop. Donc ouais, vous avez remarqué, hein, j'ai enlevé toutes les cartes. Ça faisait trop de. Ça faisait trop gros. Attendez, je vais juste vérifier qu'on est bien du coup à 15. Tant pis, de toute façon, je pense que je ne suis pas à jour. Donc on a dit le cheval, c'est la somme que je veux. Donc on est tombé sur le vélo. 5, la somme du dé. Le vase, 2. Ici, 1. Et le spring qui est à 5. 13. Et donc le cheval, je mets 2 euros qui fait qu'on est à 15. Hop. Donc, comme la vidéo est courte, je ferai ça hors caméra. Effacer le tracker. Plus 15. Et on est donc à 55 euros. C'est génial ça. Franchement, en plus du reste, ça va être sympa ça. 55 euros. Donc, hop. Ah, j'ai encore mis 10. Voilà. C'est top. 2, 3, 4, 5. Je vérifie parce que la dernière fois, quand on avait fait la remarque pour l'épargne, le week-end de Poli, donc j'avais regardé dans le défi Monopoly, ouais, qui est noté à 40 euros, j'avais un billet de 20. J'ai dit non, j'ai perdu 20 euros. Et j'ai pas perdu 20 euros, c'est juste que j'ai complètement zappé que j'avais pris 20 euros de l'enveloppe que j'avais prêtée donc à mon ami. Donc, je compte maintenant chaque fois. Bref, est-ce qu'on ne gratterait pas une petite pastille là maintenant? Si, on va se gratter une pastille et on va prendre celle du haut. Donc, moi là, j'ai mis sous les pastilles, j'ai mis des petits symboles que vous voyez là. Et donc, il suffira donc de mettre soit la somme de son choix, de tirer le dé. Bref, mais je sais plus ce que j'ai mis. Et là, c'est le cheval là. C'est le cheval que nous avons. Hop. Je vais juste enlever. Voilà le petit cheval. Bah écoutez, on est à 55. Je vais mettre 5 pour arrondir à 60. Parce que c'est pour les vacances. Donc plus ça grimpe, mieux je me porte. Voilà, 60 euros. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Donc, hop. Et je mets le billet de 10. Voilà. Plaisir de vacances, on va revenir dessus après. Est-ce que je mets des pièces encore? On verra. Donc là, on a gratté. J'ai la batterie qui me lâche. Ça veut dire que j'ai trop parlé. Je pense que je vais faire comme Pamela. Je vais m'acheter, vous savez, les petits minuteurs là, pour me chronométrer. Parce que je vais dans tous les sens. Bref, allez,
On gratte une pastille pour le budget de Pamela. Ça, c'est pour mon enveloppe make-up que j'ai toujours pas créée. Et la somme est de... Ça me stresse, je suis désolée, donc je gratte à fond. Voilà, je vais juste dépoussiérer tout ça. €5. Vous voyez? Ouais, je pense que c'est bon, vous voyez bien. 5€. Donc, je mets le petit billet de 5. Par contre, non. Il faut que je mette des nouvelles cartes. 5€, ce qui fait qu'on est à 11€ ici. Donc là, techniquement parlant, il faudrait que je me fasse de la monnaie et que je mette €10 dans mon enveloppe make-up. Donc, je vais essayer de me faire de la monnaie, créer ces fameuses petites épargnes en plus là que j'ai fait et faire avec vous une vidéo où je vide donc mes petits défis. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte avec vous. On va se prendre... Oups, elle se fond la malle. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Qu'est-ce qu'on va se prendre? Une petite vignette. La glace. On va se prendre la glace. Alors... Voilà, si j'arrête à ouvrir, on s'en sort pas. Hop, la glace. Qu'on grattera donc courant mai. Ouais, ça c'est bon. Une petite vignette. Et celle-là qui va au fond, c'est fini. Et ce qui est cool, c'est que je pourrais m'en resservir en mettant donc d'autres petites pastilles. Je crois que je vais en commander un rose gold pour rester dans son thème. Rose gold. Ensuite, pour Pam. Donc la petite page de guerre, donc toi tu vas au fond et je vais prendre, gratter. Bon bah là on va prendre les mains, la numéro 1, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Donc c'est pas mal. Moi qui voulais me solder celui-là pour l'épargne enfant. 30€, donc on verra. Je crois que j'ai rien mis en plus sur avril. Hein. Je sais même pas. Je crois qu'on n'a rien mis courant avril. Non, on n'a rien mis. Bon, c'est pas grave. On va se faire un tranquillou. Alors, à l'horizontale, le 2. Et à la verticale. Non, à la verticale. Ou à la verticale. Le 2 aussi. Donc comme ça, c'est fait. 2 et 2. Et c'est 1€. Hop. Donc 1€, ce qui fait que sur le mois d'avril nous avons mis 3,50€. Voilà, et on est donc à 28,50€ ici. Donc elle a bien fait de l'appeler tranquillou parce que c'est tranquillou, hein, tranquillou. 28,50€. Hop. Voilà. Et voilà. Donc la carte niveau, c'est pas la peine, j'ai pas réussi. On verra après. Donc là, c'est fait, ça c'est fait. Ici, donc ça va à 20€, ça je le sais. Plaisir de vacances, il faut que je l'avance aussi. Et là, le défi des saisons, je suis à 15, je vais mettre 5, comme ça on aura fait la moitié du chemin. Mais attendez, il manque pas un truc là. 2, 4, 6, 8, 10. Il est où le 5 là? Il manque un billet de 5 là, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il manque un billet de 5? Oh là, il faut que je regarde. Alors, je pense que j'ai pas mis les 5€ la dernière fois, donc là, je vais rien mettre. Je vais mettre 5 pour qu'on soit à jour. Mais il faut que je regarde ce qui s'est passé. C'est pas normal qu'il me manque 5. Là, c'est bon, là, c'est bon. On va se faire, donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Défi du moment. Tac, touc.
J'ai des pièces, j'ai pas de billes, j'aurais bien aimé mettre des... Tchouk, tchouk, tchouk. Là, on a 40 euros sur les 100. Ce qui fait qu'on a mis 35 sur le mois d'avril. Moi, je pense que je vais rien mettre. Plus 35, on verra. Ce qui fait qu'on a 40, parce que j'ai trop de pièces, ça me saoule. Avril. On a mis 35 euros sur le mois d'avril, ce qui est quand même pas mal. Mais après, c'est quand même parce que j'avais vidé le défi jeu du budget. Et du coup, là, le 3 euros aussi de Constantine. Là. Là, là, là. L'exemple, c'est quoi? J'ai 2 euros, 5 euros. J'ai 7. Je vais mettre 2 euros. On va être à 6. Hop. Donc 2 euros. On va prendre le petit T. Enfin, petit, c'est un gros mot. Hein. Et on est donc à 6 euros ici. Voilà, il nous reste un. Franchement, j'ai trop envie d'inaugurer mon défi 5 euros, donc je vais pas le mettre. Je vais le laisser tel quel. Là, ne sachant pas ce qu'il y a sous les pastilles, je vais pas prendre le reste de fer. On se mettrait pas un truc ici. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Genre, la meuf, elle sait pas ce qu'elle veut faire. MDR. Quand tu prépares pas tes vidéos, je te jure. Mais j'ai pas mis 10 euros là. Mais quelle cruche. J'ai pas mis 10. Bon ben, je suis en retard encore de 10. Normalement, on doit être à 140, pas 130. Tant pis, pardon, je vous ai fait bouger. Monopoly, je suis dans les grandes sommes. Donc c'est pas la peine. La beauté, j'ai déjà fait le tirage. Là, c'est pour après. Là, c'est pour le mois de mai. Ça, c'est pour le mois de mai aussi. Là, c'est des grosses sommes, je crois. Ouais, c'est que des cases avant ou à 10. Pas à pas. L'encre. Il faut que j'attaque, mais bon. Là, j'ai combien? Vous savez quoi? Je vais mettre 3 euros. Parce que, comme je dis, là, j'ai pas le temps de chercher si j'ai vraiment. Ouf, non, enfin, franchement, j'écoute de la musique un peu partout. Mais là en ce moment je suis très musique chiaoui. Parce que je suis de. Je suis chiaouia comme on dit. Du coup, bah, c'est 3 euros. Comme ça, moi c'est fait. Voilà. Donc si ça vous intéresse hein, de faire ce petit défi, c'est budget pour les nuls. Et elle est que sur Instagram. Tous les dimanches, elle poste un défi pour la semaine qui est à venir. Et là, le défi pour la semaine, donc du lundi 6 au dimanche, je pense à combien, c'est de mettre la première lettre du prénom de notre chanteur préféré. Voilà, je vais y arriver. Hop, donc là, j'ai 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3,50 euros, 3,90 euros. 3,90 €. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inaugurer mon défi 5 euros. Voilà. Clairement, les bics de 5 euros qui seront dedans, ce sera pour les vacances d'après. Mais pas du tout pour maintenant, pour la gérer. Donc, on va se barrer un petit billet de 5. Enfin, une petite bulle. Je suis très contente. Enfin. Enfin, enfin, enfin. Et donc le reste, ça ira dans le défi d'or. Voilà. Donc, premier billet de l'année dans le défi 5 euros. Avril, 5 euros. C'est tout. Un peu là.
Et donc le défi d'or. D'ailleurs, j'ai enlevé 50 centimes, j'ai maintenant à tirer les. Les 10 euros qui sont là, je les ai prêtés. Mais ça va revenir là dans la semaine. C'est juste que je ne voulais pas prendre dans mon porte-monnaie comme je faisais mon bilan. Donc j'ai pris d'ici. Mais ça va revenir là dans la semaine. Donc on a dit. J'ai 1, 2, 3, 3,90. 3,90, ce n'est pas coché. Voilà. Et comme mon cerveau est fatigué, donc 16,30€ plus 3,90€, 20€. Ah, on peut encore se faire la monnaie. Trop cool. On peut se faire la monnaie encore. On a le deuxième billet. 20€ et 20 centimes. Hop là, c'est génial. Donc, avril. On est à 20€. Donc, ce qu'on va faire. Donc, moins 14,90. On a mis 5,30€ ce mois-ci. Vous voyez, voilà, comme ça. On a mis 5,30€. C'est cool. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir me faire la monnaie d'un autre petit billet. Un autre petit billet. Ça, c'est top. Voilà, vidéo bien longue, hein, je m'en excuse, mais moi les vidéos courtes ça fait 50. Non mais je pense que je vais faire comme Pamela, hein, je vais les piquer, je vais m'acheter un timer et je vais me le mettre devant moi. Là par contre, du coup, je suis en retard, mais de fou. On devait être normalement à 140, on est à 130. Donc ça c'est pas bon Linda, je me suis oubliée. Ce qui fait que j'ai 20€ du mois dernier. Et donc 10€ ici, donc 30. Je suis à moins 30€ ici, les gars. Hop. Je suis à moins 30€, sachant que, comme je vous dis, moi, au niveau budgétaire, il va manquer quoi qu'il arrive 4 semaines. Donc je suis à moins 70€. Waouh. On va essayer de se rattraper ça, mais en retour de vacances, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà. Et là, on est bon. On a bien nos 58. Voilà. C'est cool. Bon, je vous ai assez retenu la jambe, hein, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Hein. J'espère qu'on sera ensemble sur ce mois de mai. De toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve pour vider les défis que je mets dans les épargnes. Mais je vais d'abord prendre le temps de créer mes petits trackers épargne et tout ça. Que vous dire de plus, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, hein, que tout s'est bien passé. Ne restez bien donc jusqu'à la fin puisque vous avez le résultat du concours spécial Mimi Budget. Donc voilà, félicitations pardon aux gagnantes. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par message privé sur Instagram, c'est comme vous voulez. Mais contactez-moi dans la semaine. Sinon, je ferai un autre tirage au sort et je prendrai les prochaines gagnantes. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie encore pour tout, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour absolument tout. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche matin pour faire donc le tirage au sort pour le concours spécial Mimi Budget. Donc j'ai un petit peu déjà pré-rempli pour gagner du temps. Je vous mettrai la vidéo tirage au sort à la fin de la vidéo bilan, d'accord, du mois d'avril. Donc là, j'ai mis 3 gagnants puisqu'il y a 3 lots à gagner et j'ai mis je participe parce que beaucoup ont oublié de mettre Mimi Budget, mais tout le monde a mis je participe. Donc comme ça c'est fait. Tout le monde sera pris en compte. Donc écoutez, sans plus attendre, on passe au petit tirage au sort. Je fais juste un petit micmac, un petit mélange, hop. Et on y va. Donc, bonne chance à vous toutes. C'est vrai que c'est long. 10 secondes, c'est long. On ne s'en rend pas compte, mais c'est long. Alors, les gagnantes sont les suivantes. Alors, nous avons User. Donc, on verra c'est qui. Nous avons en deuxième position Audrey Corion 5102 et Sylvie Mercier 6890. Et j'aurais dû me prendre un petit stylo pour noter tout ça. De toute façon, je prendrai, en regardant la vidéo, je marquerai sur une feuille. Alors,
Pour la première personne, donc alors oui, si vous n'avez pas précisé, première gagnante, lot numéro 1 qui était donc l'épargne à 900 et quelques là. Lot 2, c'est le micmac des petits challenges. Et le lot 3, c'est le petit classeur des défis. Voilà. Donc si c'est précisé, c'est cool. Sinon, bah, c'est gagnant 1, lot 1, gagnant 2, lot 2, gagnant 3, lot 3. Donc pour cette personne, c'est alors Hello, bravo pour les économies. Je participe volontiers au concours. Je ne connaissais pas Mimi Budget avant que tu en parles. Et là, je vais regarder sa chaîne YouTube. Merci pour ton partage. Donc elle n'a pas précisé, bah écoute, tu auras le lot numéro 1. Voilà. Ensuite, pour Audrey Corion, coucou Linda, j'adore vos vidéos, merci. Je connais Mimi Budget depuis quelques semaines. Je participe avec plaisir à ton concours pour le lot 1. Quel plaisir de voir vos créations, un grand talent, gros bisous à vous. Bah écoute, ma belle, je suis désolée, tu auras le lot 2. J'espère qu'il te fait aussi plaisir. Mais bon, après, je vais voir à quelque chose. Enfin, on regarde le dernier gagnant et je vous dis quelque chose derrière. Et enfin, pour Sylvie Mercier, donc coucou encore, une belle vidéo avec toi, donc merci. J'adore tes défis, j'en ai trop. On est tous pareils, je crois. On a tous ce petit problème de trop de défis. Je participe au concours avec un grand plaisir. Je connais les créations de Mimi Budget. Donc, elle n'a pas précisé. Donc, du coup, pour toi, comme tu as troisième gagnante, ce sera le lot numéro 3, en espérant que ça te plaise, du coup. Et ce que je vais faire, en fait, là, pour les gagnantes, comme toi, Audrey, tu voulais le lot 1. Si, par exemple, la première gagnante ne me contacte pas, je t'envoie le lot 1, Sylvie, c'est le lot 3, et je ferai un autre tirage au sort pour le lot numéro 2, qui est un micmac des petits défis. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. J'aurais bien voulu faire tout gagner, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais vous inquiétez pas, les concours arrivent, et puis voilà. Donc, bah écoute, encore une fois, félicitations aux gagnantes. N'hésitez pas à me contacter dans la semaine, soit par mail, soit en m'envoyant un petit message sur Instagram. Et ce sera avec grand plaisir que je vous enverrai vos petits lots concours. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!